Chers camarades, bonjour, 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 chers camarades, peuple de l'AES. Ici, le patriote. Mamie, faut déplacer. Tu as grosse fesse, on dirait une femme africaine. Là. Les Mexicaines, elles ont les beaux bras comme ça, là, on ne comprend pas. Elles mangent tellement de bossolé, de tacos bossolé, chimichanga, burritos. Tellement j'aime la nourriture, je connais presque tous les noms de la nourriture. Chers camarades, peuple d'Afrique, je ne vois pas sur mon écran, c'est un peu loin de moi. Vous savez que ça, c'est une grosse voiture. Hein? Voilà. Donc, quand ça est loin comme ça, je ne vois pas bien quoi. Vous comprenez un peu, non? Hé, droit d'auteur, mon cher. Facebook, là, ils sont à radio. Alors, peuple d'Afrique. Pour ceux qui ne le savent pas, ça fait quand même ça fait quelques heures, je crois, qu'on m'a envoyé l'information. Ça fait quelques heures qu'on m'a envoyé l'information. Désolé, hein, la connexion était partie. C'était parti, désolé. Je sais pas pourquoi, mais la connexion des deux là n'est pas trop bonne. Voilà, donc les terreaux sont allés au Nigeria. Ils ont pris 300 élèves. Ils sont partis avec eux. 300 personnes. Quand on dit élèves, bon, peut-être que les gens ont banalisé. Ils ont pris 300 personnes. Les terreaux au Nigeria. Ils sont partis avec eux. Alors nous, on pose la question de savoir où est la force en attente. C'est ça la question que nous posons. C'est pas palabre. Hein? On pose maintenant la question de savoir la force en attente là, elle est où? C'est maintenant qu'on en a besoin en Afrique. Les terroristes ont pris 300 personnes au Nigeria. Ce qui n'est pas le cas au Niger. Mais les gens étaient prêts à envoyer la force en attente contre les Tiani. Mais les terroristes vous malmènent. Vous n'envoyez pas la force en attente. Aujourd'hui, là, on demande cette force-là. Envoyez-la. Envoyez-la. Dites-leur d'envoyer la force en attente. On va quitter ici. On n'a pas que ça à faire. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Les terroristes ont pris 300 personnes au Nigeria. Où est la force en attente? Niawa, où est la force en attente? Je sais qu'il est tard, il est 15h25 ici, donc il est déjà tard chez vous. À partir de demain, l'heure va changer en Californie. Le décalage horaire va revenir à sa place. Donc ça va faire moins d'une heure chez vous là-bas. Force en attente, elle est où? On a besoin d'elle. Et Bible là, ça donne. Hein? La clim donne comme ça. Ça donne. Ah, je suis trop fan de ma coach là. Tiens! Et puis elle file. Ah, mon Dieu. Supercharge. Le moteur a été superchargé. Le moteur a été trafiqué un peu, quoi. Bon, c'est l'ancien propriétaire qui a fait ça. Sinon, normalement, F du Christ ne file pas. Ça file, mais pas trop comme celle-ci. Celle-ci, elle est exagérée. Où est la force en attente, chers camarades? La force en attente. 300 personnes ont été enlevées. Ils vont aller les transformer en terreau. C'est comme ça qu'ils font, les Boko Haram, là. Quand ils prennent les gens, ils s'en vont faire le lavage des cerveaux. Regarde lui, là. C'est comme ça qu'ils font pour créer les accidents bêtes, là. Ils s'en vont faire le lavage des cerveaux. Oui, il faut que Tinubu envoie cette force en attente. Allez-y appeler Dramane Ouattara, votre parrain. C'est maintenant que Dramane doit envoyer son armée au Nigeria pour aller défendre la terre africaine. Au lieu d'envoyer son armée en Ukraine, là, il a qu'à envoyer son armée au Nigeria. C'est là qu'on l'entend. C'est ça qui est la vérité. Il a qu'à envoyer son armée au Nigeria. Dites à Dramane Ouattara, lui qui voulait envoyer un contingent et puis des milliards au Niger. Le président de la CEDEAO, son pays est athée. Les terroristes sont rentrés. Ils sont rentrés dans une école. Ils ont pris 300 élèves. Ils sont partis à eux. La force en attente. On a besoin d'elle là-bas. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. C'est de ça qu'il s'agit. Mon frigo est vide. Je suis allé bé le derrière de ma voiture pour aller bé mon frigo.
C'est pourquoi j'ai fait une seule vidéo aujourd'hui, parce que je n'ai vraiment pas eu le temps. Voilà. Après ça, quoi, il faut faire le laundry. Il faut laver les trucs, les habits. Voilà, mes draps là sont beaucoup sales là. On est célibataire ou? Donc tant que tous les draps sont pas sales, on lave pas. C'est quand tout est sale qu'on lave. Voilà. Donc j'ai 14 par la grâce de Dieu. Voilà, deux par semaine, 14. Deux par jour, qu'on appelle ça. Oui, je gère souvent deux par semaine. Hein. Voilà. Moi, je ne change pas de drap comme ça. Hein. Ah, wallahi bilai. Wallahi bilai talai. Quand il fait deux par semaine, quoi, il peut faire beaucoup de jours comme ça. Beaucoup de trucs avant de laver tout. 14. Donc, chers camarades, quand on envoie la force en attente là. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Pour être un peu concentré, je regarde trop ici, c'est pas bon. Ici là, les gens roulent un peu mal là, donc si tu fais pas attention, ils vont te rentrer dedans et puis voilà, tu as carré là pendant des heures avant que la police n'arrive pour faire constat. Donc mon cher, je vais vous laisser. Maintenant pour vous laisser là, c'est un problème. Comment il y a coupé là? C'est là maintenant, il y a Bangwa maintenant. Comment je vais couper là? Donc attends, il y a serré ici. Il y a serré pour couper là. Je sais, et puis je coupe, hein. Voilà, même s'ils ont dit no parking, je m'en bats les couilles. On dit no parking anytime. Salut, si les policiers me voient, ils vont me donner le ticket. Bon, chers camarades, vous voyez, il n'attend même pas le téléphone. Voilà. Chers camarades, merci beaucoup, hein. C'est le patriote. Vous connaissez, c'est le patriote, ça ne chauffe pas. Voilà. Pour me concentrer, ok, pour me concentrer, je vais devoir prendre congé de vous. Si on ne s'est pas vu aujourd'hui, demain, on va parler. Voilà, on va parler de ça. Il faut que la force en attente, là. Il faut qu'on envoie la force en attente. Donc, comme j'ai garé là où on ne doit pas garer, si un policier passe dans les parages, il va venir faire son malin sur moi. Donc, je vais vous laisser, je vais partir. C'est Herman le patriote, que Dieu vous bénisse. On est ensemble, le combat continue.